Lausanne en souhaitant la bienvenue et remercions chaleureusement la compagnie La Salue avec qui nous poursuivons notre thématique de la folie. Ce soir, Delphine Horst et sa marionnette mettent en scène un texte de Charles de Ramu, la preuve en costume de folie. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Merci. Il m'aime.
un peu, beaucoup, passionnément. S'était amusé. Pendant plus d'un mois. À confectionner des costumes pour une représentation que la jeunesse du village avait donnée le lundi de Pâques. Dans
la salle de commune. Les filles, coupaient et cousaient. Les garçons les regardaient faire en leur racontant des histoires. C'était le bon temps. Et puis, la représentation avait eu lieu, avec succès d'ailleurs. Les fanfares, les chœurs d'hommes, les exercices de gymnastique. Et hélas, la fête est finie. On était retombé à la demi-nuit des temps ennuyeux qui durent presque toute l'année, où il ne s'agit plus de rire, mais de travailler du matin au soir. Or, les costumes qu'ils n'avaient mis qu'un jour, étant pour un seul jour alors, sortis d'eux-mêmes pour entrer dans une autre vie, les costumes étaient toujours là et un samedi soir. Garçons et filles, ils s'étaient réunis dans l'intention de les mettre en ordre. L'instituteur leur avait prêté une armoire pour le cas où ils auraient encore besoin de ce costume. C'est peu probable. Mais enfin, il s'agissait de leur donner un coup de fer, de les plier soigneusement, de les suspendre. Et pour ceux qui étaient de laine, de les enfermer dans des boîtes avec des boules de naphtaline. Et alors moi, qui étais la reine, ce sera comme si je ne l'avais jamais été. Et moi, j'étais le roi. Regarde ma couronne. On voit bien à présent qu'elle n'était qu'en fer blanc. Moi, je n'ai pas perdu grand-chose. J'étais domestique. Alors, on se considérait chacun soi-même, dans le passé, le regrettant sans trop en avoir l'air, tout en se passant les costumes brillants, divers, bigarrés, qu'on ne mettrait sans doute jamais plus. Ayant maintenant des jupes comme tout le monde, ou des pantalons comme tout le monde, étant bonnement en bras de chemise, car il commençait à faire chaud. Et pour ce qui est des filles, mesquinement vêtues de blouses de confection, en batiste, et c'est de la fausse, ou en coton, c'est du faux. Les garçons passaient aux filles les costumes. Elles les rangeaient dans l'armoire où elles empilaient les boîtes, qui sentaient fort en même temps la mort et ce dont on se sert pour lutter contre la mort.